Le suprême est pour toi, tout le plaisir est pour moi. Bonne fête, ma belle, c'est la fête à Samantha aujourd'hui. Ça fait un an exactement, jour pour jour. Yeah! Good morning tout le monde, bon dimanche. Aujourd'hui, on s'en va au premier cours de conduite moto de Chantal. Elle est très contente, moi, tu sais. Mais là, il doit avoir un petit stress comparativement à hier. Donc, ça va bien aller, Chantal. On est tout en arrière de toi. Fait que pensez-y, c'est super le fun. T'as jamais conduit une moto de ta vie, à part peut-être, oui, un petit scooter. Mais, tu sais, on parle d'une vraie moto. Ça fait du bien. Elle fait des 20, 22, 23 tous les jours. Fait que ça me donne un petit répit de mère nature avec son super mauvais temps. Le premier cours en circuit fermé de Chantal est terminé. Ça a super bien été. Super bonne, Chantal. Je sais, t'écoutes le vlog, fait que lâche pas, t'es bonne. Approcher, je passerai pas. La lumière, elle se déclenchera pas, je suis pas assez pesant. Parfait, merci. Bien, fait penser à quelqu'un, ça. J'ai pas eu le temps ben de me promener en moto cette semaine. Comme vous voyez, t'sais, ça fait un bout que j'avais pas sorti un moto vlog. Ce matin, je m'en vais avec Chantal au cours numéro 3 en circuit fermé. Vous voyez, ça va vite, c'est le fun. Bon, enfin rendu. Mais je suis pas sûr, c'est ici. Il n'y a même pas de compte, il n'y a rien. Ah, ben oui, non. C'est ici, j'avais fait mes cours de circuit routier. Moi, je venais ici, puis après ça, on partait. On allait chemin de campagne, l'autoroute, tout. Fait que ça rappelle des souvenirs. C'est le fun de suivre Chantal, en fait, pour ça, tu sais. Ben, pas juste pour ça. Pour la regarder aussi. Tu le sais, faut pas que tu lâches ta clutch d'un coup sec, anyway. Fait que ton bicycle partira jamais vite. Je vais me placer de même, puis. Ça va pouvoir voir. Comme ça, je peux masser aussi. J'entends pas révolutionner assez. Pèse ton break, gauge ta clutch. Comme je dis, si tu donnes trop de gaz, récrase ta clutch. Ouais, donne-en du gaz. Pas peur. C'est ça qui va t'empêcher quand tu vas à basse vitesse puis que tu tournes de donner des coups de gaz. Boum, boum, boum. What is up?
Aujourd'hui, je m'en vais faire quelque chose de secret. Je peux pas vous en parler, mais je vous emmène, mais sans vous emmener. Mais jeudi, j'ai une bonne nouvelle. Samantha va avoir ses nouveaux souliers d'un pied, des Kenda 270. Ça, ça va faire du bien, mettons. Parce que là, ça fait 11 563 km que j'ai les mêmes pileux, puis en arrière, il s'en vient pas mal sur la fesse. Mais il est encore bon, genre. Yo man. What's up tout le monde? C'est Cheat Meal vendredi, on est le soir, 6h36. Je m'en vais chercher de la viande Island, du bœuf haché Island à la meilleure boucherie qui existe en ce monde. Parce que je me fais des cheeseburgers en fin de semaine, ben genre à soir peut-être. Le seul cheat meal de la semaine, le repas triche pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un cheat meal. Accompagné de peut-être quelques petites french fries, des frites ou quelque chose. C'est Chantal qui veut des frites, mais j'en voulais même pas, j'en mangerais même pas. Ah, je sais pas, je l'ai dit, ça s'appelle le museau d'Écosse. Ah, je vais vous montrer les lieux en allant chercher notre viande. Vous allez voir, c'est beau en dedans. Pis tout. Il y a une salle à manger apparemment. 5 couverts, 6 couverts, je sais pas quoi. C'est vraiment cool. Ça là, j'aime ça, des poutres comme ça. Vraiment là, ça a bien de l'allure, sérieux. Bravo, museau d'Écosse. Sérieux là. Là, j'ai de la mayo, de la salade, j'ai du pain hamburger. Qu'est-ce donc qui me manque? La meilleure viande, fait qu'il manque rien, il manquerait peut-être du fromage. Ouais, j'ai mangé une poche direct dans le milieu de la visière. Ça... Ouh! Juste pour t'obstruer la vue. Mais il manque un ingrédient ultra secret. C'est dans mes cheeseburgers, moi je prends pas juste des tranches de fromage ou du fromage suisse ou du fromage en brique, peu importe. Je mets, tenez-vous bien, du fromage en grain. Essayez ça, vous m'en direz des nouvelles. Dans un hamburger, fromage en grain, frais de jour, évidemment, c'est super bon. Bon, belle journée en ce samedi. On s'en va se promener, on sait pas où. Mais je suis pas tout seul cette fois-là. J'étais avec un body qui a un dual sport aussi. Moi, je parle tout seul. Méchante belle journée. Donc aujourd'hui, on n'a pas de plan. On s'en va juste promener ces routes de Lanaudière, en fait.
avec mon pote qui a un duo sport lui aussi. Fait que, non, ça va être cool. Première ride en fait que je fais avec quelqu'un qui a un duo sport. Je suis bien content, sérieux. Des fois, on peut se faire des bons rassemblements là, de 4, 5, 6, 7 motos. Tu serais pas pire du World Sport seulement. Là. C'est vraiment écœurant. Ça fait des beaux motovlogs en plus. Ça fait du bien se promener à deux. Hein? J'avais même pas parti ma GoPro avec tes wellés, man. C'est bon à gauche. Quand je pèse sur ce Mac-là, je donne un petit coup de garde. Là, je downshift. Tu veux? Ben ça, c'est un style, je me donne, là. T'es pas obligé de faire ça. C'est carrément ça. Le meilleur bronzage qu'on peut avoir. Ah, mais c'est pour ça que je me mets en camisole. Je finis ma journée, si j'ai des manches, ici, j'arrive au gym, j'ai l'air de... Le farmer! Ouais, dirais ça. C'est le fun, hein? Ah, j'aime ça. Mais c'est le fun que tu vois aussi, parce que t'as l'impression, quand t'es en avant, t'as l'impression d'être tout ça. Ouais. Un char de crip, scrip! Ah, ben c'est cool de rider quelqu'un, man! Ouais, sérieux, ça fait. Plus que moi et mieux, on dirait qu'ils font bon temps. Essaye de suivre, on va faire ce qu'il fait. Ah, là, je l'ai eu avec mes jambes. Oups, c'est juste mes jambes. Là, je l'ai eu. Ah, c'est cool de faire ça, j'aime ça. C'est certain, je m'en sers de ma suspension. Aujourd'hui, c'est le jour à Samantha. Ça va se faire poser ses nouveaux pineux. Ouh, yeah! On change de thread, de ça à ça. Et en arrière, ça c'était comme un petit peu plus pire, là. De ça à ça. Wow. Kenda 270 installé sur ma moto. Fait que ça va être un petit peu mieux sur la route. Et on va lasser ça. Comment ça? Ouais, parce que j'ai je me suis inscrit à mon cours de moto pour m'acheter un moto dans ce style comme ça. Sérieux? Ouais. Ben, tu la regretteras pas, mon chum. Ben, c'est ça, je voulais avoir ton avis. Ok. Non, moi, sérieusement, j'ai passé mon permis l'année passée, j'ai suivi mes cours l'année passée, puis ça fait à peu près 4 ans que je la zutais. Puis je la regrette pas une miette, là. Pas grave, mon roulard 60. Dégage.
Dégage. Dégage. C'est clair qu'avec les nouveaux pneus, ça fait quoi? 2 km, je fais. Ça fait une grosse différence, sérieux. Vraiment content. On va aller essayer ça dans une trail. Ma belle petite Samantha, j'espère que tu es contente d'avoir tes nouveaux souliers. Bizarre de tourner avec des nouveaux pneus. C'est la fin de ce magnifique motovlog. J'espère que vous avez aimé ça. En partant, ben n'oubliez pas de partager. Parlez de ça à tout le monde, motovlog. C'est cool au Québec. Il manque un petit peu d'entraide, je trouve. Fait que likez, subscribez, payez sa petite cloche. Vous ne raterez plus jamais aucune vidéo. Si jusqu'au prochain, je vous dis... Dernier point en finissant, vous saviez que j'avais une page Facebook sur le Honda CRF 250L only, donc seulement, c'est exclusivement ceux qui ont des Honda 250L. Donc j'ai décidé de créer une autre page, ça s'appelle Dual Sport Life Québec, c'est strictement au monde qui ont des Dual Sport seulement. Ça peut être de tout genre, fait que ceux qui veulent organiser des raids sur trail, sur route, qui habitent au Québec seulement aussi, donc vous pouvez habiter en Estrie, Lanaudière, Laurentide, peu importe. Joignez ça, ça va être intéressant. Tous les liens vont être dans la boîte de description en bas. Peace.